Ok, bonsoir tout le monde et bienvenue ce soir pour un petit stream des Gaming Bonsoir tout le Genius 2. monde. On va continuer ce soir notre aventure avec Ivan Le Rouge. C'est déjà la 9e session, on voit pas le temps passer sur ce jeu Gaming Genius 2 qui est vraiment très agréable. On a également eu alors cette semaine une mise à jour qui va changer un petit peu certaines choses de ce que j'avais vu, donc on va voir ça au fur et à mesure du jeu. Et on a eu un des nouveaux DLC qui est sorti, apparemment c'est un nouvel homme de main qui s'appelle Espectro. Donc on va voir ce que ça donne, je sais pas si on va le tester ou pas dans notre run actuel. Et il faisait partie apparemment du Season Pass qu'on a eu parce que quand j'ai essayé de le prendre, bah, je l'avais déjà. Donc, ce qui est plutôt cool. Donc le Season Pass va regrouper plusieurs DLC sur le long terme. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, on aura une cinquième campagne sur un cinquième homme du crime pour la suite. Voilà. Donc on est parti, on reprend avec Ivan Leroux. Donc là on est en train de faire châtiment exemplaire en creusant une entrée de super-héros au niveau de la caverne au dernier étage. Donc là on va surveiller un petit peu. Donc là les salaires c'est bien, ils affichent le délai. Par contre là je crois que j'ai commencé à réduire un petit peu mes trucs. Donc j'ai déjà tout tué à gage, je réduire à 8 ici. 8 mercos, ça semble pas mal. Les scientifiques, je vais les réduire à 8. Pareil pour les biologistes. Les chimistes quantiques, je vais les laisser tel quel comme ça. Donc c'est toutes les 10 minutes hein, qu'il va nous falloir des ressources. Waouh. Alors, on va continuer de creuser notre caserne. Notre caverne, pardon. Alors là, on a combien de tensions? Eh, ils ont changé aussi les icônes de ce que je suis en train de regarder. A small fire has started in your lair. Où ça? Ah, c'était là, ok. Bon, on va réfléchir parce que là, on a deux petits soucis. You chose poorly, Atomic Ogre. You could have been my killing machine. Instead, killed by my machines. Vous avez fait le mauvais choix, Olga Atomic. Vous auriez pu être ma machine à tuer. Au lieu de ça, les miennes vont vous tuer. I am not dead yet, Red Ivan. And I can still stop. Je ne suis pas encore morte, Ivan Rouge, et je peux encore vous arrêter. You would think. But while you fought me, I was upgrading Havoc. Now I am ready to fire. C'est ce que vous croyez. Pendant que vous me combattiez, j'ai amélioré le Havoc. Maintenant, je suis prêt à faire feu. Quoi? Niette. Je refuse de vous laisser. You will do nothing but watch. And when you wonder how I came up with brilliant plan, I learned it from you. Non, vous avez assisté à puissante à mon triomphe. Ah, et sachez que c'est vous qui m'avez inspiré cette idée de génie. Ok, maintenant il nous faut de l'amour. Donc du carburant, quoi, grosso modo. Il nous faudra d'autres tueurs à gages ici. Ils ont rajouté des nouveaux trucs, ça c'est cool. Alors je sais pas si c'est lié au DLC ou si c'est lié à la mise à jour. Là ça va être trop cher. Bon. Ah oui, les problèmes techniques, il faut qu'on exécute des techniciens, c'est vrai. Bon, déjà, on va exécuter cette machination ici, pour 20 indices. A scheme has succeeded. On va rapporter de l'amour. Voilà. Ensuite, oh, ça, c'est un peu chiant, mais bon. On retourne dans le monde. Il nous faudra d'autres tueurs à gages ici, ok. Alors par là, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant?
Il nous faut 6 mondains ici. Sachant que là j'ai 47 et 70, ça fera, ouais, ça passe. Bon, il est mondain là. Bon, on va surveiller un peu ce qui nous attend. Donc plus vite on récupérera de l'amour, mieux ce sera. Avec Ivan, on doit exécuter des techniciens pour une de nos quêtes secondaires. Toi, c'est pareil. Et de deux. Et de trois. Encore un. Alors, on est en train de faire des recherches sur la capture des intrus. Ah, ma chambre forte est pleine, mais c'est, ça s'est calmé. Ah bah, il y en a un dernier là. A traitor in our ranks. For someone with such cool stuff, you're awful with it. Janet here, coming at you from inside. Salut Mitrandir, bienvenue à toi, comment vas-tu? Ah, une, quel dommage d'avoir du matériel aussi sophistiqué de ne pas savoir s'en servir. Janet arrive à la rescousse depuis l'entrée de vos ordinateurs. Are you the one behind all these technical problems? Wait. Ça va, Mitrandir, on découvre le nouveau DLC d'Evil Genius, c'est un nouveau seigneur, pas Evil Genius, mais un homme de main, donc on va peut-être le découvrir pendant ce Let's Play, alors peut-être pas aujourd'hui, mais au plus tard. Mais il y a eu des petits changements depuis la dernière mise à jour, et ça a l'air plutôt intéressant. C'est vous qui êtes derrière tous ces problèmes techniques, aucune importance, sortez de mes ordinateurs. No can do. If you want your systems back, you'll have to prove you're as good as I am. Hors de question, si vous voulez retrouver vos systèmes, et vous allez devoir vous mettre à mon niveau en trouvant l'origine de ce message. Pour le moment, non, Mitrandir, pour ce que j'ai découvert, j'ai rien eu. It's the IT department. I want this message traced immediately. Que fait le service informatique? Remontez à la source de ce message sur le champ. Oh, right. Dead. Oups. Oh, c'est vrai, ils sont morts. Oups. Task complete. Bon, on les a calmés un petit peu, c'est cool. Ouh, on va avoir des soldats qui vont débarquer bientôt, d'accord. Et là, apparemment, le salaire, on voit maintenant tous les combien il nous est prélevé, en fait. En gros, c'est toutes les 10 minutes, donc ce qui est plutôt cool, mais c'est faut vite cumuler les sous, quoi. C'est ça le plus chiant. 12 000 toutes les 1 seconde, 120 000. Voilà. Ah, je me suis planté, dommage. Il va nous falloir d'autres mercenaires. Il va nous falloir 8 karatéka quand même. 4 scientifiques, 6 techniciens. Ah oui, il y a des soldats qui débarquent, merde. Training has stalled. Speed. Focus. You're a henchman. What do you ask of you? Donc là, on est attaqué par des soldats. Et de deux. Tiens, on va essayer de le capturer, lui. Capturer un soldat, on va essayer de le conditionner, on verra ce que ça donne. Oh, par contre, on a des petits soucis avec nos techniciens, là. Your vaults are full. Maintenance. Magic always maintenance. Has a price. Your scientists have discovered something. Ok. Maintenance, on va continuer. Il faut, parce que là, je vois qu'il y a des petits soucis. Encore de la maintenance. Je sais pas pourquoi ils se sont mis sur ça. Maintenance. A henchman has recovered. Maintenance.
Maintenance, maintenance. Bah. Bon, ça, on a tout mis en maintenance. Donc, on a réussi à donner la capacité d'ordonner à vos sbires de capturer les agents qui tournent dans certaines zones de votre base. Ça, c'est très bien. On pourrait encore faire une nouvelle recherche de niveau 3. Alors là, on a tout. Opération mondiale, on a tout. Les sbires, on n'aura pas plus de 300 sbires déjà. Donc, ça règle le problème. Alors, on va penser à l'utilitaire de la base. Qu'est-ce qui peut être bien? Les casiers compacts, c'est pas la peine. Domination mondiale, on n'a rien. Au niveau des pièges. Non. Ah, l'arme d'apprentissage, ça me donne envie. Allez, let's go. Donc là, on doit rechercher de l'amour pour notre arme principale. Ou par contre, là, on va éviter les bêtises. 3 contre-agents, ça fait un cher. Donc là, on va dépenser beaucoup d'indices. Hein. Est-ce qu'on tenterait pas de voler de l'amour ici? On peut pas. Allez, pour 30 000, on va récupérer 2 l'amour et on sera bon. Ça, derrière, j'enchaîne la machination, remonte à la source de l'email. Est-ce que je peux trouver des trucs intéressants dans le coin? Donc là, c'est mort. Ok. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt correctement, on va dire. Donc là, on vole de l'argent. Un 11 domestique. Ah oui, quand même. Attends, quoi? Il y a Mistinguette Olga Tomic qui va débarquer. Là, on va falloir faire gaffe. Ouais, là, la gestion des sbires, ça va être plus compliqué maintenant, de ce que je vois. Je vais réduire à deux techniciens. Je vais réduire de 2 domestiques aussi. On va avoir du surplus, mais bon, c'est voulu. Ah. Oh, je l'ai pas eu, c'est con ça. On a fait success team le feu par le feu. Enflammer le super agent du hammer, bah on lance flamme, voilà. Alors, Joe, bah tu vas venir ici. Allez, Chigo. Oh, elle nous fait très mal, hein. Ah, mais c'est très très mal. Hein. Ouais, bah, je suis un collectif, je le cache pas, ça me prend dire, tu le sais à force. Voilà. Et là, on va conditionner ce petit gars. Faire feu sur le district nord du Hammer avec l'arme du jugement dernier. Ouais. Voilà, donc on a un nouveau soldat, ça c'est très bien. Oh, on a fait des objectifs optionnels. Voilà. On doit exécuter un façonneur d'image avec Ivan, on va le faire tout de suite. Où est-ce qu'il est? Bah là, je crois que j'ai quasiment la moitié des succès du jeu. Hein. Ah ouais, je suis à un succès de la moitié. Hein. Lui, c'est un façonneur du mal, donc ça, c'est bon. Voilà, j'attends toujours. Il manque 5-6 techniciens là. Oh, punaise, ici. On va reset. Voilà. Donc là, on a encore des points, on a de la marge.
started in your lair. Trois biologistes, trois scientifiques, ça se tente, hein. That's so tough. Je pense qu'il va falloir que je commence à envoyer. Ah non, je suis pas en vitesse normale, je suis en vitesse rapide là. Hop. Non, lui, on va tenter de le capturer. On va essayer d'en capturer un, tu vois. Là, ça va être les pistolets, on s'en sort plutôt pas mal. À un moment, on essaiera de passer aux mitraillettes. Mais après, c'est un peu long des fois en vitesse normale, tu vois. Là, le soldat il va pas faire long feu. Là, j'ai tenté des petits trucs de piège, mais bon, pour le moment, il n'y a personne qui est intéressé. Bon, là, les sbires vont partir. Donc, dès que possible, on va commencer à faire un châtiment exemplaire sur le hammer. Alors, j'ai exécuté mon façonneur d'image, ça c'est cool. Donc, là, c'est ok. Something is wrong with either the minions or the training room, boss. Alors là, notre, on va avoir un peu d'argent supplémentaire. Ici, on est plutôt pas mal. Là, on a quoi? Non. Là, il n'y a pas d'argent malheureusement. Bon, là, il y a un super agent, on va éviter. Par contre, là, on pourrait voler un peu d'argent, tiens. 30 et on sera combien là? Ah, ouais, non, c'est mort. Bon, on va envoyer 3 ouvriers dans le doute. Voilà. On va attendre que le soldat soit complètement à zéro de détermination. Un petit conditionnage. La base a été réparée, ça c'est très bien. Je suis en train de voir si je vais peut-être pas faire une nouvelle chambre forte, tu vois. Ou la l'agrandir celle-là. Si on peut contenir plus de pognon, tant mieux. Donc là... Et je crois qu'il y a encore un niveau dessus pour les quasi... les coffres forts. De ce que je me rappelle au niveau des trucs. Ah, il y a un incendie ou ça. Au feu, au feu. A small fire has started in your lair. Bon, qu'est-ce qui nous manque là? Il nous manque un technicien. Vos sbires ont été payés, cool. Qu'est-ce que... Par contre, c'est vraiment... Il va falloir faire plus attention maintenant. Ça veut donc dire qu'en fait, ils se sont aperçus que... Rebellion, que beaucoup de joueurs tentaient de rusher les campagnes et que là, il va falloir être plus prudent pour le faire, si je suis bien... leur raisonnement. Donc deux tensions, on aura de la marge encore après pour retirer la tension là. Ici. A small fire has started in your lair. Hop, on va réduire la tension au Moyen-Orient. En Chine, tout est fermé, d'accord. Il nous faudrait combien? 11 domestiques. C'est vrai que c'est tentant, ça. Bon, allez, let's go. Recrutons du domestique. Là, ça va être plus intéressant d'utiliser ça. Hop là, chut. Alors, où ça? Bah ouais, mais si vous faites pas attention, les gars, à un moment, qui ont vous regardé pour vous mettre les pieds, vous allez vous cramer, c'est clair. Ok. Bon,
Je vais essayer de voir pour le recrutement des sbires, comment ça a changé si on veut recruter des ouvriers par exemple. Voilà. Bon, c'est quand vous voulez les mecs, hein. Là, on recrute tous les ouvriers pour qu'on avait, pour être tranquille. Là, on va en avoir des tonnes et des tonnes, tu vas voir. Tu sais quoi, je vais embarquer un sbire. Hop là. Voilà, comme ça, le dernier technicien qui nous embêtait, qui nous manquait, il va débarquer. Et là, notre chambre forte, elle peut monter à 564 000 $, ce qui est plutôt pas mal. Alors, je vais regarder. Oula, attention ici. Voilà. Bon, ça c'est fait l'email. Maintenant, il faut savoir où est le prochain. Il est là. Et là, je pense qu'il est temps de faire feu. Ivan, tu vas me déclencher le Havoc. Finesse, plus vous montez, plus c'est puissant. Donc, let's go. Merde, je me suis trompé. Oh, bon sang. District Nord du Ham. Allez. Préparez-vous. Oh là là, ça va faire mal, ça va péter. Voilà. Nion. Là, ça va réchauffer l'atmosphère en Russie. Nion. Wow. The fires are getting out of control. Au feu, au feu. Bon, j'ai bien fait de mettre des extincteurs, hein. On va remettre un extincteur ici. Un low. An inferno is raging in your lair. Mais non. Je ne pose un incendie. Heureusement que j'ai fait des réserves de pognon, tu vois. En bas, ça se passe comment? Bon, à mon avis, ça va pas tarder à être réparé. Faut juste faire attention. On a trop de sbires dans la base, tiens donc. Your vaults are full. On a perdu des lits de luxe, je crois, c'est pour ça. Bah tu sais quoi, on va tout de suite les remettre. Nouvel objectif optionnel débloqué. Voilà. Ah, je sais pas, ça des sbires, hein, tu sais. Hein. Des fois je me demande même s'ils savent, ils savent manier une arme, pour te dire. Voilà. On va essayer de faire une petite...
On va essayer de fanfaronner ici. De toute façon, on est large niveau tension dans le nord de la Russie, donc ça c'est cool. Là, on va éviter. Ici, c'est toujours en cours. En Australie, c'est pareil. Enfin, en Océanie, je vais plutôt dire ça. Sans tension ici, non. Non, 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 non. Par contre, là, on va réduire la tension. Voilà. Donc. Et ben voilà. Objectif principal terminé. Livarania vous appartient à nous. Le Havoc est plus puissant que jamais. Yolga Atomique et son armée sont en déroute. Tout se passe comme vous l'aviez prévu. Alors, ça a donné 10 mercenaires, 20 indices, 35 000 $. I was given Ivania by the last evil genius. Reward for my loyal service. Mostly the service of killing people. Le dernier génie du mal m'a offert Livania pour me récompenser mes bons et loyaux services, qui consistaient principalement à tuer des gens. I guess it makes sense that eventually I would kill Ivania. Life sure is funny. J'imagine qu'il y a une certaine logique dans le fait que je finisse par détruire Livania. La vie est ironique parfois. You're all right, General. I know Ivania means a lot to you. It can't be easy to. Vous allez bien, mon général. Je sais que Ivania représentait énormément pour vous. Ça ne doit pas être facile de. I am fine. Je vais bien. This is what had to happen. Every choice has consequences. Salut Thanos, comment vas-tu? Made its choice, and I am the consequence. Il ne pouvait pas en être autrement. Tout choix a des conséquences. Livania fait son choix et je suis la conséquence. Ça va Thanos, merci. Bienvenue sur la suite d'Evil Genius 2. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Éliminer des enquêteurs, faire un discours. Bon, on va déjà faire commencer par le discours. Si vous spacem parabellum. Ivan. Là. Alors, je sais pas encore, Thanos. Ce sera peut-être pour un projet, mais c'est pas pour tout de suite pour moi. J'ai d'anciens projets à terminer à faire. Notamment les campagnes de Planet Zoo que j'avais pas terminé à l'époque. Donc, j'ai terminé la campagne de base. Et après, on verra. Mais elle est dure cette campagne. Hein. Faut rusher, rusher, rusher. Mais à mon avis, faut beaucoup jouer les batailles, je pense, pour avoir une petite chance. Donc déjà ça c'est bon. Voilà, il y a une poignée d'enquêteurs qui vont se pointer, venez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre là? L'alerte rouge, pour le moment, je sais pas si on peut le faire. Il faut qu'on améliore des réseaux criminels dans le monde. Donc 10 niveaux de réseau. Ou 10 réseaux différents. Wow. Ça va être la palette là, je suppose. Ouais. Ou alors, tu sais quoi? Pas de pitié pour les enquêteurs, on doit en tuer 15. On est déjà descendu 3. Allez, on bastonne. Oh, ils sont costauds les enquêteurs là. On en a eu 8 sur les 15, c'est déjà pas mal. Voilà, et 2-10. Il en reste 5 à éliminer. Un cambrioleur ça. Alors Juba, est-ce que tu pourrais intercepter ces villes, ce vilain? Ah, il y en a qui est en mode gaillade. Un minion is deserting.
Bon, là, la plupart, ils sont en train de décéder. Il n'y a rien de nouveau ici. Alors, au niveau des machinations, on n'a plus grand-chose à faire pour l'instant. Ah, c'est des petites missions, en fait. D'accord. Je pensais que c'était renforcer nos réseaux criminels dans le sens améliorer le niveau, mais c'était pas clairement énoncé. D'accord. Là, on va retirer l'attention. Par contre, il nous demande beaucoup de sbires spécifiques. Hein. Wow. Donc là, il y a deux tours. On a des cambrioleurs. Tu sais quoi, on va essayer d'en capturer un pour voir. Allez, hop, hop, hop. Est-ce qu'on a un objectif bonus de conditionner un voleur ou un saboteur? Donc, biologiste, on va essayer d'en former. Ça, on va virer. Donc là, on est plutôt pas mal. Hein. Ah, il y a deux ouvriers qui se cassent. Bah, cassez-vous. Bon. Oh là là, on en a plein qui désertent. Alors, je sais pas si c'est lié à quoi. Perte de morale. Aïe. Et ça, bon, c'est que les ouvriers, je m'en fous. À la limite, c'était les plus graves. Bon, là, on est pas mal. La langue d'apprentissage. J'ai regardé les prochaines recherches. S'il n'y a pas un truc pour les ouvriers. Non, il n'y en a pas. Dépôt de construction, coffre méga fort. Attends, c'est quoi ça? Machine de clonage, ça, ça va être drôle. Your vaults are full. Il nous manque un Mercos. Ah. Bon, on va rajouter deux. À moins qu'on puisse en recruter sur l'écran du monde, ça peut arriver de temps en temps. These are their best fighters. Jubei will destroy them. Hop, on va envoyer ici. Bon, on va voir Castan qui va débarquer. Fallait s'y attendre. A criminal network has too much heat and has locked down. Ouais. Donc je pense que je vais commencer à établir une nouvelle un nouveau coffre fermé. Ouf. Coffre fort, il est là. Mais il va nous falloir un grand coffre fort, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau 2, il sera pas du tout adéquat. Si je le fous niveau 3, admettons. Non, il sera pas adéquat. Au pire, un deuxième coffre-fort en bas, en vrai, ça pourrait pas être déconnant. Training has stalled. On va prolonger un deuxième coffre-fort, c'est toujours plaisant. Je pense à améliorer aussi les réseaux, tiens. Un jour, on va nous en demander plus. On va commencer comme ça, déjà. Et on va mettre quelques écrans. Je pense que si je mets 4 écrans ici, déjà, ce sera un bon départ. Excellent. Bon, on est large niveau électricité, comme vous pouvez le voir. Room,
Ok. Donc là, c'est quand vous voulez. On pourrait améliorer ici le réseau, on va le faire tout de suite. Ah non, on peut pas, on a une machination en cours, dommage. Et là, ça pue aussi. Voilà. On retire la tension ici également. Il nous faut encore un réseau amélioré ici. Ouf. C'est quand il veut le Mercos. Allez, let's go, comme ça tout le monde s'en va. Ça fait du beau petit monde là qui va se préparer pour cette putain de mission. Ouh, les soldats ils débarquent. Ah, ils sont 4 les cons. Déjà, ça va être l'heure des grillades. Wow. Il tape peut-être pas fort les techniciens, mais ils occupent au moins les soldats. Et ben voilà. Par contre, on perd beaucoup de sbires, hein. C'est ça l'ennui. J'ai remonté à 280, bon. L'investissement vaut la peine, j'estime. Nous manquons de scientifiques. Rome wasn't built in a day, but I could bring it down in one. Bon. Salut Momon, comment vas-tu? Oui, je suis limité à 300 sbires maximum. Mais je les ai déjà, donc ça va. Research has resumed. Donc là, ça va être l'heure de la castagne. Alors, tu sais quoi, par contre, là? Ils ont pas dû aimer ça. Ah, il y en a qui manquent pas de toupet ici. Hein. Alors, recherche terminée. Augmente l'intelligence des sbires de classe au-delà de 50. Un excellent moyen de passer pour une lumière, ok. Dessin de modèle vivant. Bon. Est-ce que je commencerai pas à améliorer alors mon génie? Améliorons Ivan un petit peu. Ah, Shogun 2, bien. Ça c'est cool. Bon, on va faire l'objectif de l'alerte pendant 3 minutes. Alerte générale, alerte générale. Many special moves. Observe! I won't let you be the one to beat me. They're all right. Voilà. On va tenir 3 minutes. Oh, il y en a un qui a. Ah, lui, il s'en fout du feu, d'accord. Salut Gauthier, bienvenue à toi, comment vas-tu? Allez,
On est à bientôt 2 minutes, il nous faut encore tenir 1 minute pour le parabellum mais ce sera bon. D'autres soldats arrivent, d'accord. Là on est à 3. On est bientôt à 3 de nos 4 objectifs. Ah ouais, ça c'est chiant quoi. Et voilà. Donc on a fait 3 de nos tâches pour cette partie de scénario. Ah oui, merde, j'ai oublié de faire mon interrogatoire. Toi, tu vas passer au conditionnement. Alors, ensuite, là. Je ne peux pas le faire. 5 scientifiques, ça, c'est toujours utile. Pour 15 000. Ça nous fera du rab. On va retirer l'attention ici. Comme ça, là, j'envoie tout de suite les techniciens et là pour la quête secondaire. Wow. Voilà, c'est des soldats, ils sont vénères. Hein. Plus on avance dans la partie, plus on voit de vénères. Vas-y, Gotti, je t'écoute. Je vise le succès avec le clan Otomo, faire le Daimo chrétien. Ah, c'est ambitieux ça sur Shogun. Ah, je te dis bonne chance. Sur des génies niveau 3 en attente, ok. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant là? Research has resumed. Donc ça y est, là on va avoir les 3 points sur 4. Olgatomic ici, aïe. On va éviter. Il nous faudra un deuxième tueur à gaz. Salut Nathan, bienvenue à toi. Oui Gauthier, je l'ai fait demain, je dois reprendre la liste des participants. Sur Facebook, il y a eu du monde. Je l'ai fait aussi sur Twitter et aussi sur mon Discord au cas où. Et merci pour le follow au passage Nathan. Bienvenue, bienvenue. Oula. Ça doit être le lance-flamme, ça. Alors, attends, c'était comment la consigne, là, que je cherche? Merde. Gestionnaire de sbire, c'est pas ça? Non. Je vais faire le tirage demain soir, pendant mon live Planet Zoo. Comme je devais reprendre ces scénarios, les terminer. Je pense que demain, ça semble être le bon moment, quoi. Vendredi soir, ça me paraît un peu léger. Ok, tu participes sur Facebook, d'accord. Bon. Donc, il y avait au moins, si je me souviens bien, j'avais compté jusqu'à... Bah, avant le live, il y avait au moins une trentaine de personnes sur Facebook. Twitter, il n'y a eu personne. Et il y a eu 2-3 personnes sur Discord. Bon, ok. Il faut qu'on continue. Hein. Là, il faut qu'on ait le... Là, on a... Ah, il y a trop d'agents. Vous faites chier avec vos agents. Niveau criminel niveau 2, ouais. Elle est là. D'accord, ça va être super. Ah, elle est là aussi. Hmm.
Let's go pour 30 000, allez. Et là... on va faire les deux là, comme ça on sera sûr. Ouais, ouais, il y a eu du monde là, ça m'a assez surpris. Bon, une fois j'avais fait gagner c'était quoi j'avais fait gagner, que je dise pas de bêtises. J'avais fait gagner un DLC d'Age of Empires 2, il n'y avait pas eu grand monde. Hein. Après, c'est pas une critique, hein, mais... bah bon. Je pense que, tu vois, j'aurais fait gagner un DLC de Three Kingdoms, il n'y aurait pas eu le même engouement, bizarrement. Ça, c'est mon... après, c'est ce que je ressens à l'heure actuelle. Something is wrong with either the minions or the training room, boss. Nos mercenaires continuent d'être formés comme il faut. Deuxième réseau criminel d'améliorer, ça c'est cool, nous en font encore 8. Ouais, c'est vrai. Peut-être un don pour le jeu de base, mais bon, Three Kingdoms, ça il coûte un bras, alors que le remaster de Rome Total War, il est plutôt pas mal, quoi. Le niveau du prix, il est correct, je trouve. Donc là, il va nous falloir aussi renforcer un réseau criminel avec... ah, j'en ai fait deux d'un coup, bon. Ça s'accélère un poil. Ici, c'est quoi? 5 biologistes, ça fait un peu beaucoup. 70, là, je suis à... 51 sur 150, 51 et 70, ça fait 121. On va embarquer 6 biologistes. Je les ai, les 6 biologistes, je sais même plus. Ouais, je les ai. Bon, bah, on va le tenter. Hein. Plus de... ah, putain, évidemment. Évidemment, je dis ça, monsieur Spawn. Ils ont peur de vous, ouais, c'est ça. Ou après, je pense que la communauté est pas très réceptive pour les jeux. Le jeu Free Kingdoms, après, c'est mon avis. C'est comme ça. Donc, Castagne, elle est là. Là, je vais le faire aussi, celui-là. Dès que le réseau sera déverrouillé. Un piège au niveau 1 a été déclenché. Ah bon. D'autres soldats qui se pointent. Wow. Alors... will look good above my mental piece, indeed. On va marquer tous ces 4 dudus là, sauf lui. I want that in. Speak your mind. With deadly... a trifling adversary. Release. Il colle des bonnes patates, hein. Je sais pas si vous avez eu certains sur Twitter, mais j'ai eu un beau commentaire. En plus, moment, tu t'en souviens peut-être, c'était la vidéo d'Age of Empires 2 avec la campagne d'Ego. Tu sais, tu te souviens qu'on avait galéré avec le succès Steam à comprendre si c'était sur la mission 4 ou 5. Et finalement, je me suis rendu compte, et que, grâce à toi, que c'était pour la mission avant-dernière mission, pour l'histoire des châteaux à détruire. Je sais pas, ça remonte à l'année dernière, bien sûr, mais peut-être que ça te dit quelque chose. Bon, on va attirer le super agent, l'agent X, mais bon, tant pis. Du coup, je l'ai mis sur Twitter, mais je pense que le mec, j'ai mis son pseudo, parce que franchement, si c'est ça son état civil, je me marre, quoi. Je me marre. Bien. Bon, ici, on a encore des problèmes de... de tension. Plan un exterminé. Ils avaient repoussé ce nouveau rival, mais ouvrez l'œil, il ne manquera pas de revenir. Ouais, ils avaient, je sais pas ce qu'ils avaient foutu hein, pour les succès, mais ils étaient mal traduits, hein, clairement. Il y a toujours eu ce problème là avec Microsoft. Heureusement qu'on prend le go, c'est ça. Alors, obtenir la récompense.
Problème technique numéro 2, le retour. La reine de la poudre. Elle, c'est une des super agents qui nous serait logique d'avoir, puisque c'est la couleur orange. C'est dans la boîte. Le Hammer a fait une découverte fascinante en Grèce. Vous pensez qu'elle est liée au camp surnaturel qui s'est abattu sur lui? On va le faire, allez. Side story begun. The heat of the criminal network. Ah non, oui, super. Oui, l'agent X. Alors, attention, l'agent X est dans le coin. Méfiance. Alors, toi, tu vas venir. Inspecter le site de fouilles dans le monde, c'est en Grèce, ils ont dit. Donc, logiquement. Ah oui, d'accord. Ah, on va avoir des petits problèmes. Bon. Améliorons tout de suite le réseau ici, comme ça, ce sera fait. Elle est toujours là, elle. Hein. Là, on va le faire ici. Lui, on va récupérer ici ce truc. Là. 5 tueurs à gaffe. Il est où, Sir Daniel? Bon, ça va, pour l'instant, on n'est pas trop emmerdé. Ça va, on arrive à gérer, même si on perd beaucoup plus de sbires, comme vous pouvez le voir par rapport à avant. Mais ça sent qu'ils ont rehaussé la difficulté. Ah, ils ont encore détruit cette scène, punaise. Oh, les gars. S'il vous plaît. Il y en a un qui s'est fait cramer. On va remettre une nouvelle porte ici. Voilà, excellent. Allez, 4 sur 10, on continue, on pousse. Trois biologistes, trois scientifiques, ça se prend ça. 250 tous les 5 secondes, 240 000 en tout. Là, ça donnerait quoi là? Ouais, 7 mercenaires, effectivement, c'est un peu beaucoup. On va le faire ici en Australie, on profite qu'il n'y a personne. Là. Ah, il nous faudra un réseau criminel de niveau 3 ici, d'accord. Niveau 2, ouais. On va le faire tout de suite, ça là. Hop. 40, là on a 30, 30 et 40, ça fera 70, il nous manque un garde malheureusement. Ici. Pff, il nous faut 11 scientifiques quoi. Déjà qu'en maintenir une dizaine c'est compliqué. Allez, la moitié, c'est bien, on pousse. 5 contre-agents, 3 chimistes quantiques, ah dommage. Les sbires ont été payés. Oh, on perd des sbires. Tiens donc. Goodbye, goodbye. Toi, on va le conditionner. Capture-le. Voilà. Ah oui, il faut réduire la vitalité, la jauge de talent. Ça, j'avais pas fait attention au début, vous voyez.
Avons-nous réussi d'autres choses? Former des biologistes 10 000 de plus, allez, boum. Je dois exécuter un pauvre technicien qui a rien demandé. This is how I treat the enemy of the people. Something is wrong with either the minions or the training room, boss. Et en plus, on fait péter le truc. Fontaine à eau fraîche. On va en mettre des fontaines, je sais, je pense que ça peut nous aider aussi. Bon, pour tout à l'heure, on a eu pas mal de désertions, donc je pense que je vais en mettre une ou deux, tiens. Voilà, ça coûte pas d'électricité, ça coûte un petit peu d'argent, mais je pense que ça peut être rentable. Voilà. Il va me faire du tueur à gages. On va faire du repérage ici. Au pire, on détruira des réseaux au fur et à mesure. C'est pas un mauvais plan, ça. Ouais, on va éviter. Un petit reset au Japon. Konnichiwa, les gars. Une petite amélioration. Alors, il faut qu'on fouille le site en Grèce, j'avais oublié ça. Mais on n'a pas assez de mercenaires. Ah! A small fire has started in your lair. On va l'améliorer. Je vais améliorer le site ici, tu vois. A criminal network has too much heat and has on va le reset ici. Comme ça, la Hogue Atomique devra couvrir l'ensemble du territoire du Hammer. Et ça, c'est plutôt cool. Niveau argent, on est plutôt pas mal, on est blindé. Allez, on va le faire ici, comme ça on sera tranquille. On en aura 7 sur 10. Ensuite, voilà, on a plus un Mercos. Ça, c'est dingue. Par contre, je crois que je vais recruter des ouvriers, là. On en a besoin. Allez, si j'arrive à 400 000, c'est pas grave. À 300 000, ça me va. J'ai pu refaire la base. Donc on a un sbire militaire là. Mais en fait, ce que j'aime bien dans le système qu'ils ont fait là, enfin qu'ils ont revu, c'est que bah, je trouve que tu vas devoir faire attention plus davantage à ton pognon. Pour éviter de te retrouver avec 50 000 sbires qui désertent et tout refaire à chaque fois. Ça peut être vraiment une horreur. Oh, on a eu un tueur à gage, ça c'est bien. Et je crois qu'ils ont revu aussi le niveau de capture des agents en fonction de ce que vous attrapez. Donc là par exemple, on avait eu un soldat, je pense qu'il était très avancé, et on a eu le niveau maximal, à savoir un tueur à gage. Et je trouve que c'est réaliste. Le mal dans toute sa splendeur. Plus personne ne se mettra en travers de votre chemin à présent. Pourquoi pas? Ça, je vais le faire, le terminal informatique. Ça génère davantage d'indices. Et Ivan, du coup, il a plus de points de vie, si j'ai bien suivi. Ouais. Donc ça veut dire qu'au maximum, un Evil Genius peut avoir 400 points de vie et 300 d'intelligence et de morale, ce qui est pas dégueulasse. Par contre, toi, tu vas redescendre. Ah oui, j'aurais occupé la bombe de Sark que Ivan cherchait depuis un petit moment. Et là, du coup, on va profiter qu'il va. Ça va durer un petit peu plus longtemps. Allez, tout de suite. Allez, do it, man, do it. Au niveau 2. Donc là, ça continue. Donc là, on est plutôt bien là au niveau 2. Faut juste que je revérifie aussi pour les... Pas les opérations. Donc là, il nous faudra...
un autre projet de rang 4 pour le terminer. Bah, celui-là, justement, c'est un projet de rang 4, donc peut-être qu'avec un peu de chance, ce sera fait. Et je vois qu'on est à l'heure de jeu, donc je vais déjà enregistrer parce que c'est la fin de cette première VOD YouTube. J'espère que ça vous a plu, les amis. Donc on va continuer notre mission Parabellum, aussi récupérer un nouveau butin qui a l'air d'être en Grèce, encore une fois, évidemment. Enfin, je vous dis à la prochaine YouTube. Prenez soin de vous, les amis. Ciao, ciao.